tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de The Witcher sur PC. La dernière fois, on s'était arrêté pas loin après avoir tué la bête en éliminant tous les villageois sauf Abigail. Et on va tout de suite continuer en allant à la taverne pour récupérer Shaina. Enfin, Shaina, le nom quoi, là, notre ami. Non, Shani, pardon, c'est Shani. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez le fond parce que moi, oui. Et on va tout de suite continuer. Geralt. Je te raconterai ça sur le chemin de Visime. Moi non plus. J'espère ne jamais revenir. Les temps sont durs, Geralt. D'accord, mais tu sais qui... Non. Par leurs méfaits, ils l'ont inconsciemment créé. Un magicien. Un vrai conte de... Chaque contre celle une parcelle. Je dois atteindre la porte de Visime. Allons-y. Par la Mikul. Y'a plus personne? Non. Tout le monde est mort. Ils sont tous morts. Tous. Sans exception. Alors. Le chemin le plus rapide pour aller là-bas, c'est par là-haut. Va-t-on croiser quelqu'un en route? Je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas pourquoi ça bug, c'est le jeu, hein. Me demandez pas pourquoi. Sinon ça bug pas pour moi, hein, jamais. Hein. Enfin, sur d'autres jeux à part celui-là. Ou alors très rarement, mais pas tout le temps comme ça. Donc nous avons fini les faubourgs de Wizima. Je dirais qu'on a fait... Allez, un petit cinquième du jeu. Ouais, ouais, un tout petit cinquième du jeu, là. Pas grand-chose, hein. Donc, on va tout de suite continuer. Ouais. Eh. Donc, j'espère que le son est bon, que ce let's play vous plaît, même celui-là de Mass Effect, il vous plaît, j'espère. Que ça vous dérange pas trop que je passe un peu les voix. Parce que, bon, en fait, je préfère le lire moi-même plutôt que d'attendre la fin des dialogues, sinon ça prend trop longtemps pour une vidéo. Et à la fin, on n'a pas le temps. Donc normalement, j'espère que vous aurez le temps de lire, sinon j'entendrai encore un peu plus longtemps, mais je ne le laisserai pas les dialogues en entier, ça c'est sûr et certain. Waouh, le ciel. Mais je suis pressé de faire le 2. Il est beau. Plus beau que celui-ci en tout cas. Et à mon avis, il doit être meilleur en tant que game, avec le gameplay, etc. Où est-ce qu'il est mis cool? Ah oui. J'avais zappé ce petit détail. Si je ne m'abuse, Mikul se trouve à côté du moulin. Donc on va aller le rejoindre. J'aime bien ces musiques, elles sont... Comment dire? Reposantes. Et j'aime bien ça. N'empêche, le jeu est quand même beau pour un jeu sorti en 2007, hein, sur PC. Bon, là, je le fais tourner au max, mais bon... Voilà, quoi, hein, c'est quand même beau, hein. Par contre, quand on arrivera au deuxième et au troisième, oulala, ça va faire mal. Même chose pour Mass Effect, enfin, plutôt pour le troisième des Mass Effect que le deuxième. Je crève de faim. Donc, on va pouvoir rentrer à Visima, et je pense que... Entre cette vidéo et la prochaine vidéo, je vais visiter toute la ville et faire les quêtes annexes. La quête principale, je ne la ferai pas. Mais au moins, j'aurais visité tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, je pense. Donc, j'espère que ça vous dérangera pas. Si vous voulez, je vous ferai un petit résumé dans les commentaires. N'hésitez pas à demander dans les commentaires, je vous ferai le résumé. Mais quand vous verrez cet épisode, j'aurai pratiquement fini le jeu. Visima est de l'autre côté. Moi aussi. La bête est morte. Des hommes de... Tout comme les paysans. J'ai un sauf-conduit. Allons-y. Allons vers Mikul. Vu qu'on a le sauf-conduit. Je me demande si c'est pas une mauvaise traduction. Bah... J'ai un sauf-conduit. Demandez pardon. Po-po-po. Sergent, c'est le sorceleur dont je vous ai parlé. C'est sérieux? Qu'avons-nous là, Mikul? C'est lui, notre homme? Oui, monsieur le sergent, oui. C'est cet enfoiré de sorceleur. Un blasphémateur et un faussaire, c'est ça?
Il a demandé qui pouvait entrer dans la cité et après, il est revenu avec un sauf-conduit de l'ordre. Si c'est un chevalier de l'ordre, alors je suis la princesse Ada. Salopard. La princesse Ada, qui est-elle? Est-ce que c'est une référence ou... Ah non, je suis en prison, c'est ça? Toujours une prison dans un jeu, hein. Ouais, le donjon. Bon, bon fond, enfin, bon arrière-plan, hein, avec les chauves-souris enflées. Chapitre 2. Le chapitre 2. Hé, hey, laissez-moi sortir. Je suis innocent. Le fistec, c'était pour mon usage personnel. Hé, hey, le geôlier, change-moi de cellule. Je veux pas être mélangé avec les politiques. La politique, ça rend fou. Je suis un honnête voleur, moi. Ferme-la. J'ai du travail. Joseph, reste calme. Tu veux me tuer ou quoi? Ce voleur m'emmerde. Voleur? Et je suis avec les politiques. Scandaleux. J'ai dit ferme-la. Arrête de hurler ou je te jure que j'écrase ta gueule de drogué. On se croirait à l'asile de fous. T'as un problème, Blanchette? Tu veux que je t'apprenne à danser? Allez, je veux voir tes mains en l'air. Il doit tellement se faire. Joseph, ouvre la porte. T'as peur? Comme un bébé? Allez, Blanchette, montre-nous. Dégage. Alors, tu te bats, oui ou non? Professeur, vous êtes libre. Quelle ironie. Nous nous recroisons. Si près et déjà si loin. Ne craignez rien, sorceleur. Nous nous reverrons. Vous commettez une erreur. C'est un meurtrier. Vous semblez ignorer les règles de notre monde. Il n'y a pas de place dans notre société pour un assassin génétiquement modifié comme vous. Mais nous réglerons bientôt tout ça. Adieu. Le professeur. Quand vous voulez. Professeur. Le professeur de Epic Escape. Peut-être volé. La faute de la société. Du calme. C'était quoi ce cri strident? Pas ici. Attention à ce que vous dites. Vous avez goûté la saleté qui nous sert au dîner? 3 mois que je suis là. Demain, c'est le grand jour. Que faites-vous ici? Je profite des ultimes moments de ma vie. Ou du moins, j'essaie. Mm-hmm. J'ai toujours aimé jouer, et Joseph m'a laissé m'aider. Ok. Jouons. Je sais pas pourquoi il nous a laissé l'argent. Faisons une petite partie de dé. Allez, 1, 2 ou 1, 6. Et bah, c'est bon, j'ai gagné pour la première manche, ça c'est sûr. 1, 2, 3. Presque, j'ai presque failli perdre. Hein. C'est chaud. Hein. Alors, on se fait une deuxième manche facile. 2, 3, 4, 5, 6. Ce que je peux tenter. J'ai une chance sur 6. C'est parti. Pas de chance. Ce que je tentais, c'était une suite à 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça n'a pas marché. Paire de 2, paire de 4. Voilà. Attendez, en même temps, je me mets en invisible. Voilà.
Le roi accordera son pardon à ceux... Et pourquoi pas la moitié du royaume ? Les plaisanteries politiques sont parfois... Je tuerai le monstre. Trop tard. Nous avons déjà... Je fais un meilleur candidat. L'Olibrius dans le coin affirme qu'il tue... Qui ? Ce petit voyou ? Deux veulent la liberté ? Qu'ils se battent pour elle. C'est du gâteau. Je vais... Allons-y. Allez, c'est parti, tiens. Tu vas mourir. Allez, c'est bon. Et voilà. Après. Allez, non, c'est bon. Fils de catin. Je t'ai sauvé la vie. Les coquettes. La prochaine fois, je te... Mais oui, bien sûr. Félicitations. À vous le droit d'a... Quel honneur. Vous comptez tuer la bête ou... Il me faut une arme. Par pure coïncidence, nous venons de confier... Où ça ? Ce ne sont pas vos oignons. Joseph, apporte le glaive en argent. Celui qu'on a trouvé chez Talar ? Oui, Je peux l'avoir ? Demandez-le à Joseph. Vous récupérez... Bien. J'offre une prime pour la... Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, d'accord. Le gla... Dépêché, je n'ai pas de temps. Voilà, nous avons aussi saisi un élixir. Je les réclamerai. Ensuite... C'est stupide. Ce n'est qu'un exécutant. Même si je doute de vos chances, leur chef joue dans la cour des grands. Des relations, vous voulez dire? Vous devrez d'abord survivre à votre combat. Surveillez mes affaires. Je serai vite de retour. La Cocatrix. Ah, on est tout de suite téléporté dans les égouts. Ok. Ah, c'est ça une Cocatrix. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça a un peu duré? Ah non, c'est pas ça. C'était pas ça la Cocatrix. D'accord, c'est ici qu'elle se met la torche. Siegfried. Oh, un sorcier. Exactement. Cheveux blancs, pupilles verticales. Pourrions-nous éviter l'examen? Mes excuses, je ne voulais pas vous froisser. Je suis Gérald. J'ai entendu maintes fois vanter les prouesses des... Si vous permettez, j'ai affaire et... Vous ne chasseriez pas un Cocatrix ? J'aimerais discuter. Oui ? Vous pensez pouvoir tuer le Cocatrix ? La flamme sacrée me montre la voie. Qu'est-ce qui a pu vous conduire à traquer ? Elle menace Vizima. L'ordre combat les bêtes depuis longtemps. C'est le travail des sorceleurs. Vous autres sorceleurs êtes des reliques du passé. Et ce sont des fées qui ont payé votre armure et vos forteresses. Je ne désire pas me quereller. Nous sommes ici tous deux... Nul besoin de chercher à brûler la politesse, d'autant que les noyeurs abondent. Travaillons ensemble. J'ai hâte de vous voir en action. Et je... Entendu. Passez devant. Pour la victoire. Allez, viens. Reviens toi. Mais please. Allez. Mais arrête de bouger. Ok. Cerveau. Oh, encore d'autres.
pas vous faire de mal. C'est une blague. Pour les fidèles. Alors, qu'y a-t-il sorti vers la quartier du temple, le nid de Cocatrix. Question, est-ce que je peux passer par là? Et la réponse est non. Nous discuterons plus tard. Ah, c'est à lui que je parle, en fait. Adversaire. On va tout de suite continuer. Moigner. Ok, donc on fait un peu tout, tout ce qu'il faut. Verrouillé. What? Ah c'est bon, j'ai cru que j'étais bloqué. Un site d'énergie. Complir le rituel, voilà. Est-ce que j'ai un élixir au moins, comme il a dit? Baptiser un peu tout ça. Ah, ça ralentit putain en flûte. Waouh, c'est tout flou. C'est tout flou sa maman. Voilà. L'honneur ou la mort. Les deux. Déjà aller voir ce qu'il y a par là. J'aurais peut-être pas dû l'activer celui-là quoi. Après tout c'est pas grave hein. Désolé si ça vous fait mal aux yeux mais bon. Oula. Chaud ça. Le jeu il glitch. Noyé. Un noyant plutôt. Donc désolé pour ça, hein, pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oula, petit freeze hein. Qui fait plaisir. Le voilà. Enfin la voilà. La Cocatrix. Pour la rose ardente. Ouah, je peux tellement rien faire. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui lag, hein, c'est l'élixir qui fait ça. Il est fini.
Pire Alexis Rêveur, quoi. Allez, lève-toi. Voilà. Arrête de me renverser. Ça c'est fait. Le Cocatrix. Je ne peux pas. Je vais vous indiquer une autre sortie. Prenez la tête du Cocatrix. D'accord. C'est quoi ça? Pierre précieuse, tête de Cocatrix, une plume de Cocatrix. Bon, ça, mon inventaire est plein. Qu'est-ce qu'il raconte lui? D'accord. Un peu le tour avant. Bon, c'est pas marrant. C'est qui ça? Ah, on dirait trop Marigold. Notre cher ami Marigold. Un feu de camp ici aussi. Position encore. Des tonneaux. Tonneaux, tonneaux. Toujours plus de torches, ça se revend. Donc si je m'abuse, la sortie est juste par là. Cette porte. Chut. Étrange. C'est ce fumier aux cheveux blancs. Tuez-le! Et le chevalier avec! Tu oses défier la salamandre? Encore de la salamandre. Meurs, sale chien! On va sortir des égouts. Des amis. Des voyous portant des écussons de la salamandre. Qui savait que vous alliez dans les égouts? Le capitaine de la garde, le fou du cachot et les prisonniers. Les suspects ne sont guère nombreux. Vous résoudrez sûrement le problème en trouvant le chef de la banque. Où allez-vous? J'ai affaire dans mes quartiers. On peut souvent m'y trouver. Je suis ravi de notre rencontre, Siegfried. Je dois récupérer. Vérifiez que vous avez tout. Joseph. Sortons d'ici. Voici la clé du passage qui mène à la cité. Il y a quelques jours. Merci. Je préfère ne. Nous nous reverrons peut-être. Votre mission sacrée de protéger. L'ironie n'est pas de mise. À bientôt. Si vous voulez me voir. D'accord. Verrouillé, d'accord, donc on peut passer par là. On continue encore un tout petit peu, hein. Jusqu'à sortir de la ville de Wizima. Bon, on est sorti là. Ah, Black Screen, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Le quartier du temple de Wizima. Putain, assassin et mendiant. Le repère de la salamandre est tout près. Ok, d'accord. La société a fait de moi ce que je suis. Une gargouille. Une gargouille frustration pour plus tard. Maison de Talar, donjon de la cité, Gérald. Maison de Raymond le détective. Intéressant. Le détective privé dont a parlé Siegfried. Pourquoi pas? Il faut bien commencer quelque part. Il y a encore eu des massacres dans le quartier de non-humains. Comme le dit Ropenek. Alors voyons voir son. Cette personne. Vieille étagère, une corbeille, une malle. Voilà, lieu Wizima. Et Raymond Malheur. Malroev.
Il y a cette personne. Okay. Encore une balle ici. Voilà. Allons à Raymond. Mais qu'avons-nous ? Je suis Gérald de Rive. Votre légende vous a précédé. Je peux vous aider ? Vous pouvez me renseigner ? J'ai travaillé pour les avocats. J'imagine que ça vaut une... Vous savez qu'un renseignement... Je paierai. Je suis tout oui, loup blanc. Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons. Je sais bien quelques trucs. Mais j'aimerais savoir... Une affaire en cours. Ah ! Dites-moi ce que vous savez sur le... Ça fait un bail que je m'échine sur ce dossier. Et ? Hazard Javed dirige la salamandre. Il est plus dangereux qu'une fosse de Kikimore. J'ai eu un avant-goût de ses capacités. Ils ont monté une opération de grande envergure pour mener des expériences génétiques. Un voyou clair. Qui travaille pour Javed ? Le capitaine de la garde qui a lâché l'enquête disparaît la nuit. Vous pourrez peut-être... C'est tout ? Les gardes avaient arrêté un... Des gardes ? Dans des cachots ? Oui ! Allez interroger le prisonnier ! Comptez sur moi. Ces informations sont sans... Vous savez autre chose sur le prisonnier ? C'est peut-être un des chefs. Mais on ne sera fixé que lorsque vous... On verra. Juste une chose. Je crois que... Comment m'en débarrasser ? Attendez ici un moment. Surprenez ceux qui veulent vous surprendre. Alors... Que veulent-ils ? Le sorceleur prend son temps. Il a dû trouver une autre issue. Aucune importance. Sans doute. Mais le piège est prêt. Certes, vous avez affaire dans le quartier des marchands. Je confie cette tâche à notre meilleur élément. Prends ça. Attendez. Un petit peu de concentration. On va peut-être mourir, faut faire attention. Je meurs. Je vais te tuer. Je suis mort. Il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Recharge. On a tant fou, mais bon. Mais voir comme ça, ça arrive. Allez. Les temps de chargement sont méga longs. Enfin, c'est mon avis après. Tu oses défier la salamandre ? What ? Trop fort. Je ne vois plus rien. Ça cogne au coin de la rue. Quelque chose a bougé. Sûrement encore des monstres. Ok, ok. Que faire, que faire ? On va déjà retourner voir le bar. On va retourner voir ce monsieur. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Parler à Vincent Maille. Pourquoi ne pas parler vous-même au... Il ne me dirait rien. Je vais enquêter sur ces pistes.
Ok. Je vais monter mon cher, vive le clin d'œil. Je m'en occupe. Parlez-moi de la vie. J'espionne surtout les riches qui trompent leurs femmes. Bah, j'aime ça. Je préfère m'abstenir. Il n'y a pas longtemps, je suivais Morden qui commande la. Non. Je l'ai surpris avec deux. Ça suffit comme ça. Je suis tout oui. Adieu. Ok, ok. Donc, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Donc, entre temps, comme j'ai dit, je ferai le petit tour de la zone. Et si jamais une cinématique se déclenche, on commencera la vidéo dessus. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.